Les faits se sont déroulés en plein jour, à deux pas d'un marché du sud de Grenoble. Un homme âgé de 52 ans réglait quelques achats lorsqu'il a été la cible de plusieurs coups de feu. Il était 10h30 à peu près, je m'apprêtais à sortir et j'ai entendu quatre coups de feu, de pétards. Alors du coup, je suis allé voir à la porte à l'entrée et là j'ai vu qu'effectivement plusieurs personnes s'affairaient autour de quelque chose, quelqu'un. Avant de s'effondrer, la victime avait été poursuivie sur plusieurs mètres. Originaire de Saint-Étienne, elle était connue des services de police. C'est quelqu'un qui est effectivement connu, qui a été condamné, quelqu'un qui était connu pour trafic de stupéfiants. Voilà, maintenant nous sommes au début de l'enquête qui a été confiée à la police judiciaire et nous verrons les développements de celle-ci. Les impacts de balles et la dizaine de douilles de gros calibre retrouvées au sol laissent peu de doutes sur les intentions des auteurs de la fusillade. Même si les premiers éléments de l'enquête penchent pour un règlement de compte, le procureur refuse de s'avancer. On n'a pas arrêté les auteurs sur le fait, donc il est bien évident qu'on n'a aucune piste pour l'instant et que l'enquête démarre seulement. Un habitant du quartier a par ailleurs été blessé au pied par une balle perdue. Quant aux deux auteurs de la fusillade, ils sont parvenus à prendre la fuite rapidement après les faits à bord d'une camionnette. Elle a été retrouvée calcinée à quelques mètres des lieux du drame.